bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue à toutes et à toutes, à toutes. Ah, je reprends. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Vieville. Donc vous voyez, mon enclume vient juste d'arriver. Je ne sais pas si vous l'avez vu arriver ou quelque chose comme ça. Vous pouvez revenir un peu en arrière et re-regarder. Mais il me semble qu'elle vient effectivement juste d'arriver. Et donc du coup, maintenant qu'elle est faite, je peux faire mon fourneau, au fourneau, je ne sais pas franchement vraiment comment l'appeler, mais je peux le faire. Est-ce que je me rends compte aussi que je peux faire et que j'aurais dû faire depuis bien longtemps? C'est de la route. Elle va être un peu penchée et un peu bizarre, mais bon, ce n'est pas grave, parce que je viens juste de remarquer que du green gel j'en ai des milliards. Et je ne m'en sers pas plus que ça, donc du coup, je peux faire de la route un peu partout, et ça accélérera tous les déplacements des vitoyens. C'est pas idiot du tout. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas vraiment pensé plus tôt. Ça aurait été quand même très logique d'avoir des routes un peu plus rapidement. Mais bon. Voilà. Et en même temps, on va leur faire un chemin express pour descendre ici. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il a. Soit il est en train de mourir. Il va quand même 18 fois plus lentement que les autres. Je ne sais pas. C'est pas grave, il doit être malade. Quelque chose comme ceci. Donc, on arrive à peu près ici. On redescend, il fail. On fait un petit crochet et on redescend là. Oui, je sais, j'ai changé de couleur de route parce que j'ai beaucoup de green gel, mais quand même peut-être pas autant, hein. Donc ici, on amène la route par là, puis par ici. C'est pas très facile de ne pas pouvoir faire de diagonale. Puis par là, enfin, par ici, et par là, et bien nous avons deux nouveaux immigrants, et ça c'est très pratique. On va pouvoir les mettre à casser des cailloux. Là je pense que toute la Vieville est en cours de fabrication de route. Ça fait extrêmement étrange. Au niveau de la pose quand même, hein. Je pense qu'on peut dire ça. C'est penché, c'est pas penché, c'est bizarre, c'est très étrange. Mais bon, c'est pas grave puisque ça permettra d'aller plus vite, j'espère. Et forcément, on va. Clifton Tourneville est ultra lent aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a. Je pense qu'il va falloir que je fasse un bout de carrière de cailloux aussi. Là, ça va poser sûrement problème au niveau du caillou dans pas très longtemps. Mais donc, je ne vais pas l'avoir tout de suite. Hein. Alors déjà, si j'arrive à lui cliquer dessus pour voir... Eh ben dis donc, je ne vais pas l'avoir tout de suite mon deuxième mineshaft. Hein. Même plutôt être... Très prochainement, dans ultra longtemps, que tout de suite. Donc ici, est-ce qu'il y a du caillou quelque part? Il y a du caillou ici, un peu de caillou là. On va faire carrière de caillou à cet étage-ci. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de bancs ici. Effectivement, ils vont avoir tendance à faire ça sur les bancs de maçonnerie ici. Alors, ici, il n'y a que de la boue là-dedans, hein, ça... C'est assez logique. Ici, il n'y a plus beaucoup de green gel, donc j'ai demandé beaucoup trop de route verte par rapport à ce que j'ai réellement comme teinture verte, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la route blanche ici qui va zigzaguer à l'autre côté. Il manque encore une torche et on a le deuxième mineshaft. Donc et bah, donc, il est lent lui.
Allez hop. Effectivement, il va falloir que je carriérise un peu de cailloux. Donc là, ça va être... C'est vraiment ultra bizarre, la route posée dans les descentes. Ça n'a aucun bon sens. Ouais, bon, en même temps, on fait avec. Donc ici, on va sûrement, je pense, carriériser avec un sublime mot qui n'existe pas. Un peu de cailloux ici. Hop. Donc je pense que hein, entre cet épisode et le prochain, je vais vous passer toute la construction de la route un petit peu en accéléré. On verra. Mais il y a quand même des chances que ça passe un poil en accéléré, puisque c'est pas hyper passionnant et ça va juste être de la construction de route et du cassage de cailloux et de la construction de route. Par contre, ce qu'on peut demander ici, c'est un four, mais est-ce que c'est réellement utile? Je ne sais pas. On va attendre un petit peu pour voir déjà où en sont mes bananiers ici. Tous mes bananiers sont plantés. Donc du coup, maintenant, je vais diminuer la demande de pain classique à 4 et on va demander 6 pains à la banane. Ça ira très bien avec les tartes aux pommes. La tarte aux poires est beaucoup plus intéressante et c'est exactement pareil. Ah, banana pie. Ah oui, non. Pour faire du banana bread, il me faut du bread. Donc il faut qu'on demande 8 pains et 6 pains à la banane. Et normalement, ça devrait fonctionner plutôt très bien. Donc là, ils ont dû commencer un peu à casser, voilà. Et donc voilà. Là-dessus, je pense que je vais vous proposer très prochainement qu'on s'arrête là. Que je les fasse construire la route... entre cet épisode et le prochain épisode, et qu'ensuite on se retrouve pour la fin de la construction de ce mineshaft qui devrait arriver incessamment sous peu très vite dans 3 ans, et donc on parte fabriquer des armes, et lui est vraiment buggé, qu'on parte fabriquer des armes et envahir l'étage inférieur du donjon. À bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, et vous proposer. Entre cet épisode et le prochain épisode, et qu'ensuite on se retrouve. Mais... Bon, buggy.